Pourquoi on part? Parce qu'on tombe en amour un jour. Et d'évidence en évidence, on sait que notre vie ne sera plus jamais la même sans l'être aimé. On sait qu'on est prêt à tout ensemble, prêt à se suivre partout pour vivre ce qu'on a à vivre. Quoi donc? La vie elle-même. Et la tendresse en battement d'ailes. Alors on part à la vie, à l'amour, comme d'autres à la guerre, à la mort. On part en toute confiance, parce qu'on sait au plus profond de soi que les lumières d'Oujda ne s'éteindront jamais. Ciel, couleur d'orange, criblé d'espoir, que je cultive en marchant sur la terre, tant d'émotions et de mots du monde dans ma voix qui silence. Je parle pourtant. Parler, c'est d'abord écouter, oui. Écouter l'autre, l'autre qui a toujours quelque chose de nous et quelque chose à nous dire aussi, nous dire d'elle, de lui, de son île à elle, à lui, de son pays, de sa culture, de ses bonheurs, de ses malheurs, de sa mémoire, de son histoire, quelque part. Parcelle d'être, part d'elle, de lui, donc de nous, assis comme elle, comme lui, sur du vent. Nous sommes toutes et tous du même genre, humains, les mêmes gens, tentant d'escalader les désastres et vivre en paix, dedans, dehors, d'abord, en accord avec nous-mêmes. Il faut déployer ses ailes, souvent, aller voir ailleurs, si on y est, pour savoir qui nous sommes vraiment, qui nous voulons être pleinement. Être en somme rien de grand. Pardon. Je veux dire, rien de plus grand que soi ne se fait sans amour.